Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Estac avec évidemment messieurs Dallet et Cassis. Bonsoir à tous les deux. Enchanté. Bonsoir. Bonsoir également à notre invité, le président du club troyen et sur le plateau. Bonsoir. Enchanté. Daniel Mazzoni. Bonsoir. Elle, c'est plutôt la reine des SMS, finalement la baronne de Facebook. Bonsoir à Sandra depuis la régie. Merci beaucoup Damien. Alors bonsoir à tous. Effectivement, si vous voulez nous faire parvenir des remarques ou des SMS, n'hésitez pas à composer le 06 07 33 56 23. En plus, elle a les manières d'une baronne, d'une reine, voilà, elle fait ça bien. Allez, président, pas de match officiel, pas de match de Ligue 2 pour les Stacks le week-end dernier, mais un match contre Orléans, un match amical, comment vous l'avez ressenti ce match, une victoire convaincante? Oui, c'était une victoire, mais c'était plus une revue d'effectifs, c'était surtout un bon match d'entraînement. Ça a permis aussi de refaire le tour un petit peu avec tous les joueurs et puis que Jean-Marc puisse changer un peu de dispositif et donner du temps de jeu à certains qui n'en ont pas eu assez jusqu'à aujourd'hui. Ça prouve que l'Estac est un club bien installé en Ligue 2, cette victoire contre Orléans qui joue pas les premiers rôles, mais a une bonne place en national. Ça, c'était important aussi de prouver ça? Bien sûr, monsieur. Moi, j'ai été surpris. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, on était en national. Et quand on a vu quand même cette différence de niveau, on voit vraiment qu'on a monté d'un cran et qu'on est vraiment devenu un club de national. Le niveau de jeu a monté et on a vraiment vu les progrès qu'on a fait par rapport à la saison dernière. Seb, désolé pour Orléans, mais victoire sans contestation. Donc, des Troyens avec un but magnifique, notamment de Sébastien Gracq. C'est important de rester. J'attends de le voir à l'image, justement, le but, parce que... Ouais, superbe. On s'est vu, on en a parlé, et voilà, donc bien. Ouais, un grand ça fait plaisir, Gracq, surtout pour Seb, parce que ça peut que lui faire du bien pour la suite, comme on sait que les Stacks comptent beaucoup sur lui. Et voilà, ça va lui permettre, en plus du physique, le fait de jouer, et en plus de marquer, c'est pour le moral, c'est toujours bon pour un attaquant. Donc, Le dernier but est signé Florian Jarja. Comme pour les matchs de championnat, on va écouter le coach après cette victoire 4-1. Voici l'analyse de Jean-Marc Furlan au micro de David Mutel. Ce n'est pas comme lorsqu'on prépare un match amical, comme je le dis, à l'automne, où il n'y a que 5 ou 6 matchs championnat. On doit, là, dans ce cas de figure, on doit... parfaire l'unité du groupe, tandis que là on est obligé de gérer les temps de jeu, faire attention que les gars soient en bonne condition pour le match championnat. C'est pour ça qu'un gars comme Marcos a eu du repos, que Fossurier, parce qu'il était suspendu, ne jouait pas. Il a soufflé aussi parce que c'est lui qui a joué beaucoup de matchs. Voilà, donc l'occasion de donner un match complet pour Bezas, qui n'a jamais eu, et puis Sébastien Gracq. Voilà. Et également de faire en sorte que les garçons qui s'entraînent avec le groupe professionnel puissent jouer. C'est intéressant parce que en fait l'équipe d'Orléans est une excellente équipe nationale et puis qu'il y a de l'engagement comme il existe en national. Voilà, c'est une soirée satisfaisante qui prépare bien le match Sedan qui va être compliqué. Bon, après ce match amical, revenons à la saison de Ligue 2, 39 points en 28 journées. Est-ce que vous êtes un président heureux? Bien sûr, 39 points, alors qu'il reste 10 matchs à jouer pour terminer la saison. On m'aurait dit ça en début de saison, au premier match, j'aurais signé tout de suite. On a 39 points, et moi j'estime qu'il reste 4 points, on va dire, pour le maintien. Donc, il reste 10 matchs, 30 points à prendre, donc bien sûr, je suis heureux. On est très bien. Vous avez une grosse moyenne donc, pour assurer le maintien. Vous étiez venu sur ce même plateau de Canal 32 en début de saison, les Stacks étaient alors... quatrième en championnat, je vous propose de vous réécouter. Vous nous parliez des objectifs, justement, de la saison. Après les matchs amicaux, j'étais assez confiant. De toute façon, il ne faut pas aussi... On vise le maintien, le maintien, c'est 44 points. Et on en restera là. Et aujourd'hui, c'est 44 points minimum à obtenir sans souffrir. Et le jour où on les aura, après, on verra. Aujourd'hui, je suis fier de l'équipe, oui, parce que c'est une équipe qui est homogène, un groupe qui s'entend bien. Et on peut faire de très bons résultats avec cette équipe-là dans la durée. Vous êtes toujours dans le même état d'esprit aujourd'hui? C'est un bon groupe qui mérite largement son maintien? Là, je suis toujours dans le même état d'esprit, même encore plus fort. Parce que plus je passe du temps avec cette équipe, et plus ça me...
Ça me donne raison de ce que je pensais d'eux en début de saison. C'est vraiment une équipe extraordinaire, des garçons formidables. Et quand on dit qu'on passe aussi bien à l'entraînement qu'au match, des moments exceptionnels. Et je dis qu'il y a beaucoup de clubs qui voudraient avoir cette ambiance et cette mentalité, cette équipe dans leur groupe. Est-ce que franchement, peut-être encore aujourd'hui, vous pensez à la Ligue 1 ou alors c'est encore trop tôt? Là, vous vous dites vraiment le maintien ou alors dans un petit coin de la tête, on se dit pourquoi pas, on va tenter notre chance à fond? Aujourd'hui, moi, je suis toujours au maintien. Il faut obtenir le plus vite possible ces 42, 43 points. 44, bon, c'est entre 42 et 44. Après, moi, je dis qu'une fois qu'on a les 3 points, c'est un autre championnat. Donc, une fois qu'on aura vraiment acquis ces points, c'est un autre championnat. Et je pense que les joueurs auront aussi autre chose dans leur tête. Ils joueront plus libérés. Jean-Marc pourra éventuellement incorporer d'autres joueurs pour commencer à préparer la saison prochaine. Donc, pour moi, ce sera un autre championnat. Ça sera du plaisir. Ça sera du plaisir et avec le plaisir, on peut faire beaucoup de choses. Moi, j'ai envie de poser une question un peu que tout le monde nous pose toutes les semaines par rapport aux téléspectateurs ou aux supporters aussi. Si les Stags devaient, se battre jusqu'à la fin de la saison pour accéder à la Ligue 1, est-ce que ce serait dans le plan du club, dans le projet du club, est-ce que ce serait opportuniste de pouvoir jouer en Ligue 1 dès la saison prochaine? Ou pour toi, dans l'évolution, c'est quand même peut-être mieux d'attendre encore un petit peu. Même si, effectivement, on est bien d'accord, une montée, ça ne se refuse pas. Voilà, tu vas me retirer la réponse. Je m'en doutais. Non, ce n'est pas l'objectif. Ça n'était pas l'objectif, ça ne l'est toujours pas. Aujourd'hui, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est le maintien et de reconstruire le plus vite possible pour la saison prochaine. Maintenant, les joueurs, je sais, ils l'ont tous un petit peu quelque part dans le coin de leur tête. Et vous savez, ce championnat est tellement serré que si on a possibilité de le faire, enfin si les joueurs ont la possibilité de le faire, et je pense qu'ils ne vont pas se gêner. Maintenant, je dis qu'il ne faut pas aller trop vite. Oui, on a quand même un club qui a un passé. On a une structure, un stade, une structure qui a déjà été en L1. Je pense qu'on s'y accommodera facilement. Hein. Oui, il y a un savoir-faire déjà à l'Estac. Hein. On a vécu la Ligue 1, donc... Mais bon, avec le même entraîneur aussi, c'est important. Parce que c'est vrai qu'il y a eu. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas aller trop vite et il faut se stabiliser. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on essaye de garder un maximum de joueurs dans le groupe de l'année prochaine, justement pour avoir cette continuité. Je reste persuadé que ce groupe-là, qui pour moi est bon, peut encore s'améliorer. Justement, il y a un dossier qui intéresse fortement les supporters. Ce sont les joueurs en fin de contrat. On va les énumérer, parce qu'il y a eu beaucoup de re-signature, mais il y a des joueurs qui sont encore en fin de contrat. C'est le cas notamment de Grégory Bétiol, un petit peu le chouchou du Stade de l'Aube. On en est où aujourd'hui avec Grégory Bétiol? Alors, avec Grégory Bétiol, je peux vous annoncer un scoop, même Carlos ne le sait pas. Ça s'est passé à 17h30 au siège. Donc, Grégory Bétiol a prolongé ce soir, juste avant l'émission, à 17h30. Et donc il sera de nouveau avec nous la saison prochaine. Pour combien de saisons il a prolongé ? Trois saisons, ben voilà. C'est un scoop, personne ne le sait, aucun journal, aucune radio, vous êtes les premiers. Très bien, merci beaucoup pour ce scoop, ça va faire plaisir à énormément de monde, en tout cas du côté du Stade de l'Aube, tous les matins à l'entraînement, il a des fans, les soirs de match, il a des fans également, et puis il réalise une bonne fin de saison. Est-ce que vous annoncez aussi la re-signature d'Éric Marester ? Le capitaine non, de cette Marester, saison. Pour l'instant, lui, en accord avec nous, a souhaité pour l'instant prendre un peu de recul et attendre encore courant avril pour entamer les discussions et éventuellement se décider. Aujourd'hui, il n'y a ni du pour ni du contre, ni de son côté ni du mien. Eric demande à prendre un peu de recul et avant il demande de à jouer décision. Plus haut, c'est ça. Ouais. Il aimerait bien goûter à la Ligue 1, c'est ça. Il aimerait bien goûter à la Ligue 1 comme beaucoup de joueurs. Donc avec Eric, ça se passe très bien. Donc on attend. Autre joueur qui enchaîne les titularisations, c'est Vincent Carlier en défense centrale. L'une des bonnes surprises de cette saison, on doutait de son niveau peut-être pour la Ligue 2. Puis finalement, il a ce niveau Ligue 2, mais il n'a toujours pas de contrat. Comment ça va se passer avec lui? Non, il est aussi en fin de contrat. C'est pareil, c'est un peu comme Eric. On n'a encore pas discuté, parce que ce n'est pas la volonté aussi du joueur d'aller trop vite. Donc c'est dans les tuyaux et pour l'instant, on se donne un peu de recul. Pareil, tout ça, ça va se bouger. On va discuter courant avril. Ça va bouger aussi pour Arnaud Brocard, le numéro 2 des gardiens des Stags. Dans la même situation. Donc c'est des dossiers où on est d'accord avec les joueurs, où on n'est pas à 5 minutes. Donc ça se fera d'ici, je pense, courant avant fin avril. Et puis on n'oublie pas Gaël Sens, qui a beaucoup galéré cette saison avec sa blessure. Là aussi, c'est un cas particulier pour vous à gérer. Gaël Sens qui est en fin de contrat.
comment ça va se passer pour lui ? Gelsen serait en fin de contrat. Aujourd'hui, il est toujours en arrêt de travail. Il est en train, de, avec les spécialistes, de regarder et de faire le point sur son genou, voir exactement où, s'il va pouvoir refaire un peu d'activité sportive ou non. Donc aujourd'hui, il est en plein dans les mains de médecins, donc on attend. Mais Gaël est un ancien du club, avec la mentalité du club. Gaël, quoi qu'il arrive, restera avec nous. Donc peut-être dans le staff, on verra ça dès la saison prochaine. On rappelle donc la signature de Grégory Bettiol pour 3 saisons. Trois saisons, donc la nouvelle du soir côté Estac. On va retrouver Sandra en régie qui a déjà quelques questions ou observations par SMS. Sandra. Alors j'ai une question. Président, ne redoutez-vous pas le probable départ de Jean-Marc Furlan à la fin de saison ? Alors c'est dans, on a vu ça dans les journaux nationaux, Jean-Marc Furlan a un peu annoncé partout, du côté de Nancy, du côté d'Auxerre, lui dément, vous aussi ? Ah, complètement, oui, c'est très flatteur pour lui et pour le club. Non, Jean-Marc est venu, on se connaît très bien, Jean-Marc est venu à Troyes m'accompagner justement pour un projet qui ne durera pas qu'un an. Il y a une grosse reconstruction à faire à Troyes, on a décidé en commun de le faire ensemble et d'aller au bout ensemble, donc Jean-Marc sera encore là quelques temps avec moi. Bon, c'est enregistré, Président, on a noté, on va retrouver Sandra pour d'autres questions. Alors, Président, pensez-vous que les joueurs ont encore la notion du derby comme on a connu il y a quelque temps ? Et bravo pour le travail que vous faites pour notre club. Le derby, c'est par rapport au match face à Sedan vendredi, le derby de la Champagne-Ardenne. La notion de derby, elle est toujours présente dans le vestiaire ? Ah oui, je pense qu'elle est présente et je crois qu'elle est encore plus présente avec Sedan. Parce que contre Sedan, ça a toujours été très particulier. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a 2 ans, c'était à 3 matchs, je crois, de la descente. Mmh. Où Sedan nous a condamnés à la descente. Ils étaient venus gagner au stade. Donc il y a quand même une majorité de joueurs qui sont encore là aujourd'hui. On a vu dans quel contexte ça a été fait. On a su après que le président de Sedan avait doublé ou triplé la prime de ses joueurs pour nous battre. Et quand on a vu le comportement du président de Sedan à la fin de ce match-là pour dire oui, bravo, youpi, l'Estac est en national, je vous garantis que les joueurs s'en rappellent et ça va être plus qu'un derby. Le sympathique président Urano. Une petite dernière question par Sandra. Alors, serez-vous à Montpellier pour les quarts de finale de la Gambardella ? Plusieurs supporters feront le déplacement pour encourager les 19 ans. Et c'est Seb du Cop des Tricasses qui veut savoir. Oui, je serai vendredi soir à Clermont. Je reviens le samedi parce que je suis invité à Auxerre, comme quasiment à tous les matchs. Mais là, c'est une invitation spéciale contre Saint-Etienne. Et je repars le dimanche matin pour Montpellier. Je serai à Montpellier. Donc, pour les quarts de finale, hein, Carlos, quarts de finale de la Coupe Gambardella. Oui. La Coupe de France des moins de 19 ans. Avant de passer aux échos de Carlos, un mot sur l'organigramme du club. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur Troyes, notamment sur le départ éventuel de Richard Jizerski. Ce sont des rumeurs ou alors... C'est des rumeurs, oui. Richard, le manager général du club. Richard est souvent sur le départ. Il quitte tous les soirs le bureau, mais il revient le lendemain matin. Non, Richard, on a des gros dossiers d'ailleurs en commun ensemble. Il travaille énormément. Il sort un peu moins parce qu'administrativement, c'est très lourd. Mais non, Richard, il est là tous les matins quand j'arrive et il quitte quasiment en même temps que moi le soir. Donc il sera l'année prochaine aussi ? Il sera l'année prochaine, il n'y a pas de raison. On enregistre aussi. Après, moi de mon côté, il n'y a pas de souci. Bon, c'est enregistré également. En tout cas, c'est l'heure de gagner des places pour le match, pour le derby, justement. Estac Sedan, vendredi au stade de l'Aube à 20h. Ça sera la fête du développement durable en plus. À 18h, hein. Venez de nombreux parce qu'on attend entre 15 et 17 000 spectateurs. Bon, 2 places à gagner si vous répondez bien à la question que voici. Quel avait été le score du match aller à Sedan au stade Louis Dugauguez ? Vous nous appelez 03 25 72 31 95. Carlos, en avant pour les échos. Et on commence par de nouveau sélectionner pour l'Estac en équipe de France en plus. Oui, c'était une bonne surprise encore, mais j'allais dire une de plus, puisqu'on a appris la semaine dernière que Randy Goteny, qui est un jeune qui a 16 ans et qui joue avec les moins de 17 de l'Estac, eh bien, vient d'être sélectionné en équipe de France pour la première fois. Le 5 et le 7 avril, il jouera en Slovénie pour ses premières sélections avec l'équipe de France des U16, des moins de 16 ans. Président, c'est important de montrer que la formation de l'Estac fonctionne bien. Le club vient de changer de catégorie, il est au plus haut niveau maintenant, ça c'est un attrait. Bien sûr, la formation pour moi est très importante dans le club, je pense que c'est la base du club. Et aujourd'hui, on va continuer à travailler énormément sur ce centre de formation, parce que si nous on veut grandir avec les pros, il faut que le centre de formation grandisse, et peut-être même avant nous. Voilà, ça sera
économiquement, c'est l'avenir en tout cas. Bien sûr, bien sûr. Alors, et puis c'est notre rôle. C'est le rôle de la formation. Alors je vous annonce aussi, et je l'annonce aussi à Sega, si il est revenu, je ne pense pas qu'il soit rentré encore, de Sega Keita qui était avec l'équipe de les U19 cet après-midi à Mulhouse, où l'équipe a gagné 4-0 et donc a remonté à la 6e place et est en train d'assurer son maintien. Sega Keita a marqué 2 buts d'ailleurs. Et donc Sega, on l'a appris cet après-midi, a été retenu une nouvelle fois avec l'équipe de France des U19 pour disputer le tournoi de Porto avec, je crois, le Portugal bien sûr, mais aussi la Russie et l'Autriche, un tournoi amical dans le but de la préparation au championnat d'Europe où l'équipe de France est qualifiée. Sega Keita qui fait partie également de l'avenir du club troyen. Puisque l'on parle de formation, puisque l'on parle d'équipe de France, un petit mot sur Blaise Matuidi quand même, oui. C'était une première. Je pense, et Daniel peut le confirmer, que ça a fait plaisir à tout le club. D'ailleurs, moi, j'en avais un peu les larmes aux yeux quand je l'ai vu apparaître et chanter là. Oui, parce que ce gamin-là, Daniel le confirme, on l'a vu grandir. On a senti tout de suite qu'il était différent des autres. Et c'est un garçon qui a fait preuve d'un tel sérieux. C'est un des enfants de l'Estac. Voilà, le voir titulaire en équipe de France... Et traîner le beau maillot de l'équipe de France, là, c'est... La marinière. Vous avez eu des petites larmes hier soir au moment de l'hymne ? Pas des petites larmes, mais une émotion, oui, parce que quand on voit un joueur qui sort de la formation de 3, quand on le voit titulaire en équipe de France, oui, ça fait quelque chose. Il a failli marquer un but superbe avec une frappe des 35 mètres. Une petite info maintenant sur les mercredis du foot qui redémarrent. Vous savez, tous les ans, l'Estac se déplace 4 mercredis comme ça pour organiser dans les 4 points du département cette traditionnelle épreuve, là, les mercredis du foot. Il y a des jeux, il y a des jeux sur le foot, il y a des quiz. Enfin, c'est tous les enfants. Il y a 16 équipes pour chaque mercredi qui participent à cette animation-là, c'est très prisé de plus en plus, et donc là ça repart mercredi de la semaine prochaine, donc dans une semaine, le 6 avril, ça démarrera à Charmont, avec le FC Jeunes comme club partenaire, le 11 avril ça sera à Foissy, avec les municipaux, le 4 mai à Bouilly, avec Obsud Loisirs club partenaire, et le 14 mai, Ono, avec le football club d'Hainaut. Et la grande finale aura lieu le 25 mai sur la pelouse d'honneur du stade de l'Aube. Voilà, et enfin, c'est les stades qui gagnent généralement, c'est ça ? Pas toujours, non. Pas toujours. Non, les stades participent, bien sûr. Mais les stades a gagné les deux années précédentes. Et la première année, je crois que c'était les municipaux, peut-être bien. Bon, le championnat des tribunes, pour terminer les échos, l'Estac est bien placé également. Ouais, et je compte bien sur tous les supporters et le public troyen pour finir sur le podium de ce championnat des tribunes et pourquoi pas remporter ce championnat des tribunes, puisque à 10 matchs de la fin, donc 6 matchs à domicile, l'Estac est actuellement, le public de l'Estac est classé 3e avec 97 points, sachant que Boulogne est en tête avec 106 et Laval 2e avec 101. Donc vous jugez comme moi que avec en plus le match de vendredi, il y a beaucoup de points à marquer là, et je pense que moi je suis prêt à miser une petite pièce que ce sont les Troyens qui vont remporter ce championnat des tribunes pour la première fois. Ça serait important pour le club, ça aussi c'est important que le public soit présent, réponde présent les soirs de match. Et récompensé. Bien sûr, c'est important parce qu'une équipe de foot aussi ne peut pas grandir sans son public. Et c'est à nous aussi de leur montrer qu'on est fiers d'eux, qu'on est dignes d'eux, et de façon à ce qu'ils continuent à venir au stade. Objectivement, comment vous le sentez, ce public ? C'est un public quand même un peu frileux, un peu difficile aussi. Hein. Oui, difficile, il a toujours été plus ou moins, mais moi je le sens pas si difficile que ça. C'est un public déjà bon enfant. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu de problème à 3 avec le public. Aujourd'hui, ils commencent à reprendre confiance en leur équipe, c'est ce qui leur manquait un peu au départ. Et ouais, ils viennent de plus en plus, ils en parlent de plus en plus. On voit que ça vient, ça tape à la porte, ça revient tranquillement. Ça me fait penser, il y a quelques années, quand on était, avant de remonter en Ligue 1 avec Jean-Marc, justement, il y avait une petite période comme ça où le public boudait un petit peu son équipe et au fur et à mesure de la saison, on sentait que le public revenait et reprenait confiance, justement. Là, c'est peut-être un petit peu le cas. Et après, on s'est rendu compte par la suite que c'est extrêmement important d'avoir un public et un COP ou des COP de supporters qui s'entendent bien et qui mettent une grosse ambiance. On a eu l'occasion de le vivre déjà plusieurs fois au stade de l'Aube, et il serait bien qu'à l'avenir vraiment que ce COP s'agrandisse et que
on est de nouveau des tifos, des choses comme ça. C'est, je crois que quand on est joueur, en tout cas, c'est quelque chose qui permet de transcender et de récolter quelques points à la fin de saison quand même. Ce sera un de vos projets, ça, de regrouper tous les supporters dans la même tribune et puis de faire un gros cop. On en parle actuellement. Et aussi, le projet, c'est d'animer justement ces tribunes et d'animer toutes ces tribunes. D'ailleurs, c'est le gros travail qu'on est en train de faire actuellement, de redonner une animation à ce stade dans les tribunes et bien sûr sur le terrain. Et ça, ça sera mis en place pour la saison prochaine. Ouais. Je rappelle que l'Estac est quand même la quatrième moyenne au nombre de spectateurs de la saison. Ça parle quand même, ça veut bien dire quelque chose. D'ailleurs, j'avais relevé récemment qu'entre Reims, Sedan et Troyes, on avait une moyenne par match, par journée de 25 000 spectateurs. Donc la Champagne-Ardenne est une région de football. Hein. Et Troyes est une ville de football, elle le prouve. On a plus de 8 000 spectateurs actuellement de moyenne. On a beaucoup d'abonnés aussi. Qu'on est à plus de 5 400 abonnés. Et il y a même des clubs de Ligue 1 qui ne font pas ce chiffre, qui ne l'atteignent pas. Hein. Demandez à nos voisins d'Auxerre. Oui, qui rament pas mal. Un mot sur le prochain match à domicile, on a déjà un petit peu parlé. C'est quoi votre état d'esprit, vous, avant ce derby contre Sedan ? À mon état d'esprit, un derby c'est toujours particulier. Mon état d'esprit c'est que l'équipe continue à pratiquer du beau jeu et, comme je redis toujours, de jouer libéré et de jouer comme ils savent le faire. Et maintenant, moi perso, c'est vrai que j'aimerais bien prendre une petite revanche. Et pour le résultat à l'aller, où on a fait match nul, on devait gagner ce match. Et une petite vengeance personnelle quand même contre mon cher ami président de Sedan. Vous serrez la main quand même. Oh oui, il n'y a pas de souci. Bon, lors de votre première venue sur le plateau, cette saison, vous nous aviez dit que vous étiez OK pour un défi. Eh bien, on va voir ce que ça va donner. C'est Thierry Bocquet qui va vous poser une question, notre invité de la semaine passée. On écoute le coach de la réserve troyenne. Bonjour, président. Je crois savoir que vous avez une passion pour les chevaux. Il me semble même que vous avez été jockey vous-même. Donc, votre défi, si vous l'acceptez, sera de commenter, en employant des termes techniques, un parcours d'obstacles. Bonne chance. Bonne chance. Vous étiez un peu plus jockey hein, que... En fait, on amène un cheval qui arrive et on doit faire le tour. J'ai fait les deux. Bon, on va voir ce que ça donne en concours de saut d'obstacle. Attention à ne pas tomber. Avec des termes techniques, alors. Avec des termes techniques. Allez, on va voir ces images. Triple loops piqué. Voilà, c'est parti avec bille de clown sur... bille de clown sur Rassi Volant. C'est parti. Alors, donc, là, il vient de passer un vertical. On va reprendre notre obstacle à main droite. Je ne vois pas ce que c'est, mais on va le voir tout de suite. Est-ce qu'il est bon ? Est-ce qu'il a une belle allure ? C'est un vertical aussi. Oui, il a une belle allure. Il a un galop soutenu. Là, c'est un auxerre. On appelle ça un auxerre. C'est un obstacle avec deux barres l'une derrière l'autre. Pour l'instant, un sans faute pour ce là, cavalier. C'est encore un auxerre qui est toujours sans faute. Lui, qui a l'air d'avoir un bon cheval parce qu'il... Il passe nettement au-dessus des barres. Il n'a pas l'air trop... Là, c'est un droit, un vertical. On appelle ça un vertical, suivi d'un auxerre. Bon, bah, c'est pas mal, hein, Carlos et Seb. Voilà. Là, il touche, comme on dit. Hein. Et lui, le cheval, et là, il touche pas. Il est vertical, mais un très beau, a priori, un très beau cheval. Là, il est en trop, le cheval. Il est en galop, là. Là, il est en galop. Là. Il est en galop, oui. Le cheval, c'est l'autre passion après le football ? Oui, ça a été mon premier métier, d'ailleurs. Jockey. C'était mon premier métier. J'ai fait du concours de... Au cours d'obstacles, et puis après, jockey. Voilà, et un petit peu aujourd'hui, quand on est... Aujourd'hui, non, mais j'ai mes filles qui ont toujours fait du cheval, et j'en ai une aujourd'hui, qui est la troisième, Marjorie, qui continue à en faire assidûment, qui vient d'ailleurs de recommencer sa saison dimanche dernier. Et ça s'est bien passé ? Non, les premiers, ça se passe bien, ça se passe bien. Mais les premiers, les premières sorties sont toujours tranquilles. Bon, on regardera les résultats quand il y aura des concours dans la région, s'il y a des Mazonies qui s'affichent. Il a bien passé l'obstacle, hein, le président. Oui, très bien, très bien. Une bonne note technique. Non, ça ne se juge pas comme ça. Enfin, c'est pas grave. Il n'y a pas eu de faute, pas de barre tombée. Un grand merci. Il y a des notes techniques aussi, c'est ça, dans les... Un obstacle, non. C'est un obstacle, non. La barre et le temps. Merci, président, d'être venu sur le plateau de Club Estac. On rappelle l'info. En plus, c'est son anniversaire aujourd'hui, Grégory Béquiol. 25 ans. Il est né donc le 30 mars 1986. Il vient de re-signer trois saisons à l'Estac. Merci Seb. Trois saisons. Ouais. Et merci Carlos. Merci beaucoup. Et à très bientôt sur Canal 32 pour un nouveau Club Estac.